Flor. Rien.
Isabelle, je parle. Ah, je te laisse
es asediador. T'amènera une serviette aussi pour contenir le sang qui coule encore là. Il n'y a pas posé trop de questions. Franchement, ils font ça tous les jours, des clôtures.
Allô? Vous êtes capable?
garder le secret, hein? C'est pour ça qu'on ne répondait pas. Vous trouvez dans ça? Oui. My God, excusez! Je dois dire que je trouvais mes affaires assez importantes, mais puis là, je me sens plutôt conne d'être venue. Tu venais pourquoi? Martin puis moi, on a divorcé. Savez-vous, je pense que c'était une erreur de venir ici. Je vais juste... Excuse, on voulait pas. Oui, on est désolé. C'est moi qui suis désolée. Maintenant! Mais moi, je savais qu'on approchait du but.
beau grand chou. Moi, tu m'as toujours trouvé tellement droite. Tu parles d'une maudite affaire de fou. Ouais, mais tu sais ce que c'est, Annie, hein? On connaît jamais les gens autant qu'on pense. Moi, je veux bien, là. Mais il y a toujours bien un maudit bout à tout. Si vous saviez, mesdames, la quantité de gens qui pensent connaître leurs voisins et qui se mettent royalement le doigt dans l'œil. Ben là, ça a l'air que je me suis mis les doigts royalement, moi. Pour nous aussi, c'était long figuré qui était complice. T'as envie de venir, là? Oui. Je sais pas ça, vous autres, là. Non, pourquoi? Ben, pourquoi est-ce qu'il est venu te voir chez nous en tropette, d'abord? Ah ben, imaginez-vous donc que l'histoire de la couture était complètement vraie. Aussi idiot que ça puisse paraître. Quelle histoire de couture? J'avais demandé à Denis de réparer des culottes à moi, mais parti avec dans son char. OK, mais comment vous avez su des complices de Carole? Ben, avec l'histoire des billets d'avion d'Éric, puis les regards que lui et Caroline ont échangés avec Jean-François, je savais qu'il venait, mais il me restait à faire préparer les mandats et tout ça. Puis tant que ça se passe, ben, il était trop tard. Trop tard? Dans quel sens? Il avait déjà fait disparaître le corps. Hein? Isabelle est morte? Ben, c'était évident, c'était sous-entendu. Ben, c'est ce qu'on parle. Parce qu'on n'a pas retrouvé Isabelle, puis qu'il y avait un trou de balle dans le salon. OK, mais elle était pas morte? Peut-être. L'enquête à moins d'être terminée, mais c'est notre piste la plus plausible. Vous n'êtes pas censé garder ces informations de secret, d'habitude? Ben... Oui. Ouais, mais semble que les polices ne marchent pas par contrat, d'habitude. C'est moi qui ai vol, ou bien... Non, t'as raison. Mais je ne sais pas que la police là-dedans. Ils m'ont embauché notamment parce que je faisais partie de la police. Mais les siennes, par exemple, t'es pas policière. Non, je suis inspectrice financière. Mais j'ai reçu une formation pour ce contrôle-là. OK, mais vous travaillez pour qui d'abord? En fait, on était sous contrat pour la firme qui s'occupait de protéger l'héritage de M. de Charlonneuf. C'est qui, lui, encore? Le mari de la mère d'Isabelle. Le plus riche? Eh oui, franchement, le plus riche. Elle l'a dit qu'il avait légué tout son héritage de 283 millions d'euros à sa femme, puis que sa femme était morte au début de l'année passée. Ça fait au-dessus d'un an que la mère d'Isabelle est morte, puis elle n'était même pas au courant. Pourquoi vous n'avez pas simplement dit que sa mère était morte et qu'elle héritait de la fortune? C'est ça pour vous expliquer. M. de Châteauneuf avait mis une clause très stricte dans son testament. Il demandait à ce que chacun des héritiers futurs de sa fortune soit l'objet d'une enquête approfondie afin de s'assurer qu'elle ne tombe pas dans des mauvaises mains. Exact. Et puis, comme la mère d'Isabelle a fait mettre la même clause sur le sien afin de respecter les désirs de son mari, on a été engagé pour la surveiller pendant un an. Et c'est donc là que toute la mise en scène a commencé. Mais quand on s'est rendu compte que le notaire avec lequel on était entré en contact avec la douteuse, on a dû modifier le gouvernement de notre enquête. Caroline. Exact. Bon, bref, t'es venu nous dire que tu t'en allais et qu'on t'en verrait. Eh oui. Bon, ben, bye. Merci pour tout. Quand je pense que j'ai laissé ma mère malade pour venir voir ce qui s'était passé avec Isabelle, il faut qu'elle voie ce nouvel demain et nous fasse un coup. Bye, Capelaine. Bon, ben, bye, hein. On va voir si demain. C'est un plaisir. Un plaisir partagé. Oui, c'est gentil. Merci beaucoup. En tout cas, va nous manquer, Nat. Pas sûrement que venez vous voir. OK, bye, bye. À bientôt, là. Bye! Oh, ça me met assez tout croche, moi, ces histoires-là. Ah, j'ai oublié de demander quelque chose. Quoi, là? Ben, je me demandais ce qui allait arriver avec la fortune de Châteauneuf. Ah, ça! Malheureusement, nous autres, on n'en verra jamais la couleur. Ouais, ben, c'est vraiment important, là.
grande tonalité. Parfait. À partir de maintenant, le contact se fera au nouveau numéro. Bien. Et vous m'appellerez Isabelle.